chance, les gars. Doucement, doucement. Monsieur. Salut. Alors je départ. C'est cool. Toujours dur quand même. Non, on est ici à l'entrée de la trace des étangs. Les coureurs viennent de passer la rivière du Galion. Et là, donc, c'est Andy Simon et Peyo Durisbourg qui viennent de passer en tête, suivi à quelques minutes de Guillaume Stiers et Nicolas Martin. L'entrée de la trace des étangs, ils vont trouver une partie très technique pour redescendre jusqu'au Carbet, où là, une belle montée, 3-4 km sur la route. La particularité de cette trace des étangs, une trace en forêt humide avec des grands arbres, 30-40 mètres, et la difficulté de ses racines tout au long de la trace. Ah, ben on est un peu rincé, on a bien frais, c'est cool. Bien technique, super joli, on va en profiter quoi. Allez. Question le chrono que tu t'étais fixé sur cette partie. Oh, j'avais pas mis de chrono, tu vois. Vraiment. Super Andy. Super Nicolas. Allez, bon courage Nicolas. À tout le monde de le faire. Moi, c'est la première fois. Même si c'est franchement, il a dur. Yeah. Ça va. Alors nous sommes ici sur la route de la Soufrière, là au sommet, proximité du col de l'Échelle. Les conditions sont beaucoup plus difficiles, un petit peu de pluie, mais surtout un brouillard très épais qui empêche la visibilité. Et
On espère qu'il va se dissiper un petit peu d'ici le début de matinée. Ça, c'est pas si facile à courir. Il y avait de l'eau là, c'est ça? C'est dur, mais faut s'amuser, hein. Sinon, c'est pas la peine. Ciao. Ciao. Jamais vu ça. 12 minutes. Allez, bravo, bravo. J'ai pris la deuxième place au pied du Carbé, donc je vais vraiment monter à mon rythme sans trop m'affoler. Andy Simon vient de passer avec une petite douzaine de minutes d'avance sur Nicolas Martin, suivi d'un petit peloton de Guadeloupéens composé de Peyot Durisbourg, Guillaume Stiers et puis Moïse Legrand qui est juste derrière eux. Après cette montée difficile, c'est la trace Carmichael. La trace Carmichael, c'est un sillon dans la végétation, assez difficile, vallonné, pas simple de progression. Puis l'ascension de la Grande Découverte et ensuite la descente rapide vers le bourg de Saint-Claude et le ravitaillement. Oui, c'est la montée de Tango Michael et puis l'échelle. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Nous avons le sourire et le son du câble. Ils sont partis, mais sans héros, ils arrivent même dans ça. Alors. J'espère que nous sommes efficaces. Voilà, c'est bon. Merci. Ravitaillement, l'eau, l'esprit sec. Alléluia. Allez. Alléluia. Alléluia. Ah ben c'est allez, là, là. Alléluia. Je m'amuse encore, donc c'est bon signe. Plus que deux boucles. Les cassés, je les connais. Je vais aller sauter un peu comme ça, un peu nager. C'est bien passé, Carmichael, là. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a des moments, enfin, les trois quarts du temps, tu vois pas tes pieds, donc tu tombes un peu, mais ça va. Peut-être boire un petit coup. Hein. Ah, je veux bien un coca. De sa catégorie de c'est ça, Simons qui vient d'arriver. Non, j'en ai juste un, je sais pas ce qui c'est l'autre. Hein. Voilà. Andy, tu changes de chaussure, là. Non, en fait, ça, c'est le mieux. Hein. Faut qu'il y ait quelque chose qui accroche à fond et... le Fell Cross, fait pour le nord de l'Angleterre, marche pas mal. On voit tout sur mer en fait. Tu comptes combien là sur la deuxième boucle à peu près, d'après toi? Je pensais 3h30. 3h30, ok, d'accord. Je pensais 1h30 pour le nez, les cassés, et 2h pour le deuxième, mais. On applaudit sur le champion. Le ravitaillement de Saint-Claude où Andy Simons passe avec pratiquement 20-30 minutes d'avance sur son poursuivant Nicolas Martin. Andy est vraiment devant en train d'assommer la course. Nous sommes ici maintenant à l'entrée dans la forêt pour l'attaque du nez cassé. Encore une belle montée, un dénivelé difficile avant de ressortir un petit peu plus haut.
On a quand même un Guadeloupéen, Moïse Legrand, qui suit les deux métropolitains de très près, et on espère que sa forme continue et qu'il remonte. Alors, un peu. Alors, en passant à Saint-Claude, comment on sent là, avant d'attaquer? Ouais, ça va. Ouais. Il est dur là, mais bon, moi j'ai géré en fait, je suis parti assez lentement. Et en fait, ma foi, ça se passe pas trop mal. Ouais. On va essayer de continuer comme ça. Nez cassé, motivé, et après on s'approchera de l'arrivée. Allez, Olivier qui arrête. Ouais. Ça s'est bien passé, c'est vraiment un parcours magnifique. Voilà, moi j'avais une petite entorse que je traînais, et puis je me suis fait une surentorse en bas des étangs là, sur une racine. Donc du coup je compense un peu sur la droite et puis j'ai des crampes partout, enfin c'est plus la peine. Mais voilà, sinon c'est vraiment un très très beau parcours. Le temps est globalement avec nous, on ne crampe pas trop, il y a un peu de vent, on a un peu de vue quand même en haut. Donc voilà, moi je suis content du Volcano Trail. Bravo.